président de la République, Idriss Déby Itno, a rencontré hier soir les présidents et secrétaires généraux des partis politiques de la majorité. La liste des membres devant représenter la majorité au cadre national du dialogue politique a été le sujet évoqué. Sur initiative du président turc Recep Tayyip Erdogan, les États membres de l'Organisation de la coopération islamique se sont retrouvés hier à Istanbul. La situation qui prévaut actuellement en Palestine était au centre de la rencontre. Et puis fin hier des journées bilan de la campagne agricole 2017-2018, elles ont permis aux acteurs impliqués de se pencher sur les facteurs qui entravent le bon fonctionnement du secteur agricole et de procéder au lancement de la campagne agricole 2018-2019. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Tout d'abord, ce message adressé à son Excellence, Monsieur Paul Biya, président de la République du Cameroun. Monsieur le Président et chers frères, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, il me plaît de vous adresser à l'occasion de la fête nationale commémorant l'unité du peuple camerounais le 20 mai 2018 et mes vives félicitations et mes meilleurs voeux de santé, de paix et de prospérité. Je saisis cette heureuse occasion pour me féliciter des relations exemplaires de fraternité, d'amitié et de coopération qu'entretiennent nos deux pays et vous réaffirme ma disponibilité à œuvrer davantage de concert avec votre Excellence au resserrement et à la diversification de ces relations au bénéfice mutuel de nos deux peuples frères. En vous réitérant mes souhaits de bonne santé pour vous-même et pour votre auguste famille, je vous prie de croire, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute considération, Idriss Déby Itno, Président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. Un autre message adressé à son Excellence Miguel Diaz-Canel, président de la République du Cuba. Il est ici libellé, Monsieur le Président. C'est avec une profonde émotion que j'ai appris la tragique nouvelle du crash d'un avion de ligne intérieure survenu le vendredi 18 mai à La Havane et en causé la mort d'une centaine de vos compatriotes. En cette circonstance, combien douloureuse pour vous-même et la nation cubaine tout entière, je vous adresse au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom personnel, nos condoléances les plus attristées. En vous souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, je vous prie de transmettre aux familles endeuillées l'expression de ma profonde compassion. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération et de ses débits, nos présidents de la République du Tchad, chef de l'État, chef de gouvernement. Dans l'actualité, le président de la République donc, a rencontré hier les présidents et secrétaires généraux des partis politiques de la majorité et la liste des membres devant représenter la majorité au cadre national du dialogue politique CNDP a été le sujet évoqué au cours de cette audience. Reportage, Ibrahim Adam Mamat. C'est un message de solidarité, d'unité et de cohésion que le président de la République a livré aux membres de la majorité. Président et secrétaire général du parti politique, membre de la majorité, était ce vendredi soir face à lui pour faire le choix sur ceux qui doivent représenter justement la majorité au cadre national de dialogue politique CNDP. Dans une communication dont la rectitude reste fidèle aux précédentes, le chef de l'État pose et repose l'équation pour trouver la solution idoine pour tous. La liste présentée par la majorité lors de la dernière rencontre à la présidence de la République ne faisant pas l'unanimité, le président de la République a convoqué cette rencontre pour harmoniser le point de vue et arrêter une nouvelle liste consensuelle qui mettra d'accord tout le monde. Les divergences constatées n'ont pour seul objectif que la mise sur pied de un organe puissant où des hommes et des femmes capables seront placés pour mieux défendre les intérêts de la majorité. Pour le chef de l'État, cette attitude démontre la démocratie qui sévit au sein de la majorité. Le chef de l'État a expliqué que le CNDP qui sera mis en place jouera un important rôle pour favoriser un climat politique sain et des élections libres, transparentes et apaisées. Les représentants des partis politiques qui ont intervenu avaient donné leur point de vue sur les différentes listes proposées. Les échanges étaient parfois houleux, mais au finish, la raison a remporté sur la passion. Finalement, tout le monde est tombé d'accord sur une liste de 15 membres qui sera présentée ce lundi au nom de la majorité pour faire partie du CNDP.
Sur initiative du président turc Tayyip Erdogan, les États membres de l'Organisation de la coopération islamique se sont retrouvés hier vendredi 18 mai à Istanbul, en Turquie, au menu de la rencontre La situation qui prévaut actuellement en Palestine. On fait tout de suite le point avec Marinette. Les graves développements de la situation en Palestine, ce dernier moment causé par l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, préoccupent les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique. C'est au tour du président turc Recep Tayyip Erdogan que la 7e session extraordinaire de l'OCI s'est déroulée en présence des rois, des chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Le président de la République Idriss Déby Itno s'est fait représenter par le ministre d'État. Ministre conseil à la présidence de la République, Dr Nouradine Deloa Kassiré Koumakoui. Par une déclaration finale, les participants, tout en condamnant la décision illégale du président des États-Unis d'Amérique de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël et l'inauguration de l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, ont réaffirmé que cette décision ne peut altérer ni le statut juridique de la ville occupée, ni légitimer son annexe illégale par Israël. Ils appellent la communauté internationale à mettre un terme à ces atrocités et à fournir une protection internationale au peuple palestinien par l'envoi d'une force de protection internationale. Il a été aussi décidé au cours de cette session de prendre des mesures politiques, économiques et autres appropriées qui s'imposent à l'encontre des pays qui reconnaîtraient la ville de Jérusalem comme capitale d'Israël. Les participants ont enfin inviter tous les pays à reconnaître officiellement l'État de Palestine. Cette 7e session extraordinaire de l'OCI relance ainsi la poursuite des dialogues à tous les niveaux pour une solution définitive dans cette partie du monde. Vous l'avez suivi dans nos éditions antérieures, le Conseil extraordinaire des ministres a lieu hier sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Idriss Déby Itno. Ce conseil donc a abordé plusieurs points, notamment l'ordonnance portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Je vous propose de suivre un extrait, lu ici par la ministre de la Communication, des Postes et des Nouvelles Technologies et l'Information et de la Communication. Madeleine Alinguet. Au titre du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, le Conseil a examiné et adopté le projet d'ordonnance portant organisation et fonctionnement du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Structuré en 5 titres et 21 articles, le projet d'ordonnance établit le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles comme une assemblée consultative qui a pour mission d'étudier et de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire, sur les questions relatives aux chefferies traditionnelles et participe au règlement non juridictionnel des conflits. Le Haut Conseil comprend 45 membres investis pour un mandat de 6 ans non renouvelable. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh, se trouve depuis ce midi à Genève, en Suisse. Le ministre et sa délégation participeront à la 71e Assemblée mondiale de la santé de l'OMS qui se tiendra du 20 au 26 mai 2018 à Genève en Suisse. Les journées bilan de la campagne agricole 2017-2018 ont pris fin hier après-midi à Darda dans le département du Chari. Ces journées ont permis aux acteurs impliqués venus de différentes localités du pays de se pencher sur les facteurs qui entravent le bon fonctionnement du secteur agricole, qui est d'ailleurs l'un des piliers de l'économie nationale, et de procéder au lancement de la campagne agricole 2018-2019. C'est la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles, Lydie Beyasemda, qui a présidé la cérémonie. Le reportage est signé Varelat. Ces journées bilan de la campagne agricole 2017-2018 ont réuni les délégués régionaux du secteur agricole, les représentants des organisations de la société civile et les partenaires intervenant dans le secteur agricole. Ces assises ont permis aux différentes parties prenantes d'échanger sur les mots qui minent le bon fonctionnement du secteur agricole, qui est le levier de la croissance économique. Nous participons aux journées bilan et programmation du lancement de la campagne agricole 2018-2019. Recommandons ce qui suit.
à l'endroit du ministère de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles. Engager le processus d'érection de l'École nationale d'agriculture de Bailly en organisme sous tutelle afin de la rendre autonome. La ministre en charge du secteur de l'agriculture, Lydie Biasmda, qui a pris bonne note des recommandations, réitère l'engagement de son institution à faire de sorte que le secteur agricole retrouve sa place. Faisant d'une pierre deux coups au terme de ces journées bilan, la ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements Agricoles a lancé officiellement la campagne agricole 2018-2019. Une campagne au cours de laquelle deux tracteurs et 100 sacs d'intrants agricoles de 50 kg ont été offerts aux quatre organisations des groupements féminins de la région du Chari-Bagrimi. Il s'agit entre autres du groupement La Main dans la Main de Darda, Lumenaga de Maïlaou, Amal Agdar de Gambarou et du groupement Tafakour de Mandelia. La page de la campagne 2017-2018 est tournée. Nous voici résolument au début de la nouvelle campagne agricole 2018-2019. Au-delà des résultats peu reluisants enregistrés durant la campagne qui s'achève et de la persistance des facteurs conjoncturels, pluviométriques et institutionnels, nous demeurons convaincus que seul l'espoir en est l'endemain meilleur et la volonté d'agir constitue les leviers qui permettront de surmonter les défis et les enjeux qui s'imposent devant nous. Ces matériels essentiels des productions agricoles vont permettre aux représentants de ces différents groupements de mettre en œuvre la vision du chef de l'État Idrissa Déby Itno, invitant les Tchadiens à retourner à la terre nourricière. Et puis cette brève qui vient de nous parvenir, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Sécurité publique, Amat Mahamat Bachir, a installé officiellement ce matin à Fada le nouveau gouverneur de l'Enedi Ouest. Il s'agit de Kedala Younous Hamidi qui remplace le général Ngar Boudjoum Médor Jacob à la tête de la région depuis 6 mois. Et puis, passation du pouvoir également à Amdjaras, chef-lieu de l'Enedi Est, après avoir passé 5 ans à la tête de la région. Le général Hassan Diorbo cède la gestion de l'Enedi Est au général Teguine Adibéi Berdé. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, Taïra Hassan Oley. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions. 200 000 euros, c'est le montant total de l'enveloppe allouée par la France pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. La signature de cette convention a lieu hier au siège du Secours islamique France entre l'ambassade de France au Tchad, l'ambassadeur plutôt de France au Tchad, Philippe Lacoste, et le coordonnateur général du CIF, Jacques Terre-Noire. Mambat Omar Morsal. C'est par cette signature des conventions que la France a octroyé au Secours islamique France un chèque d'une valeur de 200 000 euros, soit plus de 131 millions de nos francs. Ce geste permettra au Secours islamique France au Tchad de voler au secours des réfugiés et retournés de la RCA. Pour le coordonnateur général du Secours islamique France, Jacques Terre-Noire, ce projet prévoit des activités de transfert monétaire qui permettront aux plus vulnérables d'avoir accès aux ressources alimentaires de base, aux distributions de caprins et contribuent à la croissance de la production agricole. L'ambassadeur de France au Tchad, Philippe Lacoste, s'est dit satisfait de la présence du Secours islamique France au Tchad. Pour lui, ce projet contribue efficacement à l'amélioration des conditions de vie des vulnérables. Et puis plus de 13 000 maîtres communautaires composent depuis ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs bilingues ici à N'Djamena, c'est le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Dago Yakuba, qui a donné le coup d'envoi des épreuves écrites. Récit, Oussamboudou Abdoulaye. 13 364 maîtres communautaires de niveau 1 composent ces concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs bilingues sur l'ensemble du territoire. Ici, à N'Djamena, 1300 candidats dont 200 arabophones sont retenus. Chacun d'entre eux compose pour avoir une place et devenir instituteur après une formation de 2 ans. Ces derniers auront une seule journée pour traiter les épreuves écrites qui leur seront soumises.
Le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena exhorte les candidats d'être sereins. Le Tchad manque d'instituteurs formés. L'organisation de ces concours rentre dans le cadre de la politique du gouvernement en matière d'éducation. Je vous demande d'être calme, discipliné, serein pour aborder les épreuves que vous aurez à traiter tout à l'heure. Dungus Abraï, délégué de l'enseignement et à la jeunesse de la ville de N'Djamena, précise que toutes les conditions sont réunies pour le bon déroulement de ces concours. Tiré de rideau sur l'atelier de renforcement des capacités des cadres de l'Institut de recherche en élevage pour le développement et la délégation sud-africaine en charge du secteur de l'élevage, la clôture des assises a été marquée par la signature des mémorandums entre les deux parties. C'était en présence du directeur général de l'IRED, Dr Adoumou Goudia. Reportage Johnny Dinestor. Cette convention est le fruit de la coopération entre le Tchad et l'Afrique du Sud. Elle permettra de renforcer la capacité des cadres techniques afin d'augmenter la production des vaccins sur le plan national. Pour le président directeur général de la société Underspot Biological Products, Betuel Tangeni, cette initiative est une nouvelle porte qui s'ouvre à ces deux institutions qui œuvrent pour la santé animale. Selon le directeur général de l'Institut de recherche en élevage pour le développement, la collaboration avec la société sud-africaine est d'une importance capitale pour le secteur de l'élevage au Tchad. Les amis donc de l'Afrique du Sud donnent encore une importance capitale au développement de l'élevage au Tchad. Et ils ont eu vraiment l'occasion d'évaluer le laboratoire donc l'IRED. Ils ont vu ses forces, ses faiblesses. Et à travers donc cette évaluation, nous sommes donc arrivés à signer ce mémorandum. Créé en 2012, l'Institut de recherche en élevage pour le développement produisait plus de 23 vaccins. Mais, compte tenu des difficultés techniques et financières, seulement 3 vaccins sont produits de nos jours. Dans nos régions, le gouverneur de la région du Guéra, Mamata Ali Assabala, a présidé les travaux de l'atelier de validation du plan de développement régional organisé par l'appui avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF. On fait le point avec Ousmane Idriss Dakouma. À l'issue de l'atelier, les participants vont valider le document d'orientation soumis à leur appréciation. Ce document d'orientation découlera sur l'adoption du plan de développement régional du Guéra qui servira d'outil de référence au développement de la région. Aussi, il permettra de planifier les activités et les besoins de la localité à l'avenir. Officiant à la cérémonie, le gouverneur de la région du Guéra, Mohamed Ali Hassaballa, a signifié à l'assistance que le plan de développement régional du Guéra s'inscrit dans le cadre du programme politique du gouvernement intitulé « La vision du développement du Tchad à l'horizon 2030, le Tchad que nous voulons ». Profitant de l'occasion, Mohamed Ali Hassaballa a présenté ses gratitudes à l'UNICEF pour son appui en faveur de la population de sa circonscription administrative. Le gouverneur de la région de Sila, Madame Erdebou, a effectué une mission à Adé. C'est une localité de la région de Sila située à 75 km de la ville de Kouesbeïda. Objectif échangé avec les officiers de l'armée nationale tchadienne et leurs collègues soudanais de la force mixte afin de restaurer la sécurité à la frontière Tchad-Soudan. Kongara Emmanuel. Le gouverneur de la région de Sila, Ramadan Erdebou, a effectué une mission dans le cadre de la sécurité à Adé. Au cours de cette mission, Ramadan Erdebou s'est entretenu avec les officiers et les hommes de rang au centre des échanges. La question de la sécurité des personnes et leurs biens. Il a saisi l'opportunité pour édifier les hommes en tenue sur l'accord de défense signé entre le Tchad et le Soudan. Par ailleurs, il demande aux chefs traditionnels et religieux à collaborer franchement avec les agents de sécurité afin de désarmer les détenteurs d'armes illégales. Ramadan Erdebou a également mis en garde tout fauteur de troubles qui tenterait de défier l'autorité de l'État. Pour lui, la 4e République marque la fin de la kermesse de désordre. Dans le Moyen-Chari, le représentant du chef de l'État dans cette partie du pays, Youssouf Mbodou Mbami, a effectué un déplacement au village Beda, dans la sous-préfecture de Moussa Foyo, suite à un conflit opposant les agriculteurs aux éleveurs. Myriam Kattebaye.
Ce conflit qui a opposé agriculteurs et éleveurs autour d'une parcelle de terrain a causé d'énormes dégâts humains et des pertes matérielles. Pour résoudre ces différends, le gouverneur Youssou Mbodou a fait une descente sur le lieu afin d'écouter les deux parties. Après avoir suivi les interventions des uns et des autres et le témoignage du chef de canton, le gouverneur a tranché. Chacun n'a qu'à respecter sa limite. Et même si, j'ai même dit aux éleveurs, de tout faire pour garder leur bétail. Le jour là, vous aussi, comme c'est votre champ, vous devez être à la limite pour vraiment garder votre champ. Youssou Mbodou a donné des instructions fermes aux forces de défense et de sécurité pour récupérer les armes détenues par les éleveurs. Il a ensuite exhorté les deux parties à accepter de se pardonner et de se réconcilier, car ils sont appelés à vivre ensemble. Il a ensuite rappelé que la volonté du chef de l'État pour la 4e République est d'appeler le peuple tchadien à l'entente, le respect d'autrui et le savoir-vivre. Dans le Mayo-Kébi Ouest, Wading Assiassou est allé à la rencontre des populations des départements de Mayo-Binder et de Lac Léré pour transmettre le message sur les valeurs qui fondent la 4e République. Doba Djonsala. Accueilli à son arrivée par le préfet de Mayo-Binder, les autorités militaires et traditionnelles, le gouverneur de la région du Mayo-Kébi Ouest, Wading Assiassou, et sa suite se sont rendus à la résidence du préfet d'où toutes les corporations les attendaient pour écouter le message du président de la République livré aux sept gouverneurs de la zone méridionale à Mundu le 3 mai dernier. Les Tchadiens qui ont souffert dans leur chair ne puissent plus souffrir de notre malversation, de notre comportement et de notre manière de détourner l'argent et de laisser les pauvres Tchadiens dans les difficultés. C'est fini. Sans perdre de vue le problème de la destruction de l'environnement et la question d'insécurité qui perdure dans la zone de Binder, le gouverneur Wading Assiassou déclare que la guerre est désormais déclenchée contre ces hommes sans foi ni loi et demande à leurs complices d'abandonner immédiatement ces pratiques honteuses. Dans le département de Lac Léré, l'ambiance est la même. Le gouverneur du Mayo-Kébi Ouest a véhiculé le même message du chef de l'État aux autorités du dit département. Il a aussi relevé le mauvais comportement des douaniers communément appelés Bokoboko et de certaines autorités qui arnaquent la population. Le gouverneur martèle que ces pratiques doivent prendre fin à l'ère de la 4e République. Retour ici à N'Djamena, la présidente du groupe parlementaire des femmes musulmanes africaines au sein de l'Organisation africaine de la coopération islamique, Mansoura Hamid Nouri, vole au secours des couches vulnérables à travers des vivres aux différentes associations de la société civile de la ville de N'Djamena. Mamad Souleymane. Le mois de Ramadan est un moment de partage et de bénédiction. À cet effet, la présidente du groupe parlementaire des femmes musulmanes africaines au sein de l'Organisation de la coopération islamique, Mansoura Hamid Nouri, distribue des vivres aux couches vulnérables sur le financement de l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad. Ce don est composé du sucre, du riz, de la farine et bien évidemment de l'huile. Les cibles sont entre autres des associations de femmes veuves et des orphelins, des associations de femmes de Briard et du groupe Achamsi. La présidente du groupe parlementaire des femmes musulmanes africaines au sein de l'OCI, Mansoura Hamid Nouri, a remercié le diplomate émirati Mohamed Ali Chamsi. Selon elle, les Émirats arabes unis ne cessent d'apporter leur soutien aux couches vulnérables. Ces dons s'inscrivent dans le cadre des activités du groupe parlementaire des femmes musulmanes africaines au sein de l'Organisation de la coopération islamique. Dans le même ordre d'idées, le Royaume d'Arabie Saoudite, à travers le projet Iftar Saïmin du roi Salman Abdelaziz, décide d'offrir pendant 10 jours des repas pour la rupture de jeûne aux retournés de la République centrafricaine du site de Gawi, c'est dans la commune du 8e arrondissement. Pour se rassurer de l'effectivité de cet élan de solidarité, en ce mois béni du Ramadan, le chargé d'affaires de l'ambassade d'Arabie Saoudite au Tchad s'est rendu hier soir à Gawi. Reportage Kalia Gavouna. Le Royaume d'Arabie Saoudite ne cesse d'appuyer le Tchad sur le plan humanitaire. Ces royaumes ont, ce mois sacré de Ramadan, décidé de s'occuper pendant 10 jours de la nutrition des retournés tchadiens de la RC installés à Gawi. Une action que pose depuis des années le roi saoudien Salman Ben Abdelaziz en faveur des personnes démunies à travers le projet Iftar Saïmin. Sous instruction de Sainte Mosquée, le roi Salman Ben Abdelaziz à Saoud
et le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdelaziz, l'ambassade de Royaume d'Arabie Saoudite organise l'iftar de Saïm aux réfugiés de Gawi. Cette action du Royaume d'Arabie Saoudite est hautement saluée par le président du Sud des retournés de Gawi. Les frères qui sont au niveau des camps de Gawi, ils sont vraiment dans le besoin parce qu'il leur manque beaucoup et surtout les nourritures. Donc nous allons bénéficier de 10 jours et donc au nom de tous les retournés réfugiés qui sont au camp, on remercie l'ambassade de l'Arabie Saoudite et le chargé des affaires islamiques. Pour le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite au Tchad, ce geste ne sera pas le dernier ni le premier. Il annonce que d'autres musulmans vulnérables de la ville de N'Djamena et des régions bénéficieront aussi de cette assistance dans les jours à venir. Voilà une œuvre qui fera certainement école à travers le pays. Le président de la coalition Fils du Tchad, Faisal Hissène Hassan, a fait un point de presse ce matin pour lancer officiellement les activités de la Banque alimentaire tchadienne. Mohamed Souleymane, précision. La Banque alimentaire tchadienne, initiative de la coalition Fils du Tchad, est une banque d'aide alimentaire aux personnes démunies. Dans le souci d'accompagner la politique du gouvernement en matière de bien-être social et de la lutte contre la faim et la pauvreté, la banque a travaillé depuis sa création aux côtés des personnes démunies, en leur apportant des vivres, produits de première nécessité, habillement et aide sanitaire. Notamment, pendant la période de Ramadan, la participation à la festivité de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, la fête des Tabaski et la fête de Noël, avec les différentes couches sociales. À cet effet, la banque fait appel aux partenaires nationaux et internationaux, ainsi que personnes de bonne volonté, d'appuyer matériellement et financièrement l'effet d'atteindre son objectif social. Voilà, nous partons dans la région du lac avec ce lancement officiel du projet renforcement du pouvoir économique des adolescents, des jeunes filles et des femmes pour la réduction des écarts du genre et d'égalité dans la région du lac Tchad. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la dite région. Le point avec Aman Isaac Azina. Dans sa vision 2017-2027, la CELIAF entend œuvrer pour une société tchadienne juste, basée sur l'égalité et l'équité où les hommes et les femmes vivront en harmonie. Et le lancement du projet sur le renforcement du pouvoir économique des adolescentes, des jeunes filles et des femmes pour la réduction des écarts de genre et la réalisation de l'égalité dans la région du lac vient confirmer cette volonté. Sur le chemin à parcourir vers la nouvelle société harmonieuse que nous voulons tous construire, il apparaît clairement que la femme ne doit pas être considérée comme supplétive de l'homme et moins encore comme une citoyenne de second rang qui soit obligée de négocier sa place naturelle, notamment dans la conduite des affaires publiques du pays. Au niveau national, les efforts sont consacrés en faveur des femmes comme étant un levier de tout développement. Et permettez-moi de vous relever ici que l'écart de genre n'a plus sa raison d'être, car la réalisation de l'équité et de l'égalité n'est plus un rêve. C'est dans cette logique de parfaire ces rêves que le gouvernement de la 4e République a consacré une place importante à la femme pour lui permettre de participer pleinement à la prise de décision dans les affaires de l'État. Le gouverneur de la région du lac, Mamad Abali Salah, a également insisté sur la formation des cadres féminins en vue de faire face aux défis de l'heure, puisque compte tenu des facteurs sociaux et structurels qu'a traversé cette région, la gente féminine demeure vulnérable devant plusieurs aspects. Les fidèles de l'église fraternelle luthérienne au Tchad volent au secours du ministère de la Santé publique dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations du 9e arrondissement de la capitale. Un centre de santé vient d'être construit, une initiative qui vise à rapprocher les structures sanitaires des populations. La cérémonie inaugurale a été présidée par le délégué sanitaire de la ville de N'Djamena, Foxia Eli. Reportage Abdelhadi Mamad Saleh, Baba Yaro. Désormais, la population du quartier Ngomba Massa, dans la commune du 9e arrondissement, a un nouveau centre de santé. Les gestes et l'œuvre de l'église fraternelle luthérienne au Tchad
et supervisée par la paroisse luthérienne de Chaguadé. Cette structure est répartie en 5 salles. Il s'agit d'une pharmacie, d'un laboratoire, d'une salle d'accouchement, de consultation et des salles de soins. Oui, le président du comité d'organisation, Dr Biakno Wassou Clément, les responsables d'église fraternelle au Tchad et le secrétaire général de la commune du 9e arrondissement, comme Sœur Mbatna, se sont relayés pour exprimer leur gratitude aux responsables et aux fidèles de l'église fraternelle luthérienne au Tchad pour cette initiative qui s'inscrit dans la politique sanitaire des plus hautes autorités de ces pays en faveur de la population. Le délégué sanitaire régional d'N'Djamena n'a pas caché sa satisfaction à l'endroit de l'église fraternelle luthérienne au Tchad. Comment la République du Tchad, à travers le ministère de la Santé publique, a signé des conventions avec le confessionnel. Donc, je dis que les églises chrétiennes, le comité islamique, nous avons fait une convention entre nous. Et ça permet maintenant à ces clergés-là de faire des œuvres de développement social dans le domaine sanitaire. Fouxia Eli exhorte les autorités de la commune du 9e arrondissement et les responsables des 10 centres de santé d'en faire bon usage pour superviser ces centres au profit de la population, pour définir les termes de conduite des activités à mener. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Télé-Tchad. À demain. Bonsoir.